Peace. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au Mike. Et aujourd'hui je vais vous présenter les nouveautés du quartier maître de Call of Duty Infinite Warfare en mode zombie et en mode multi, parce qu'aujourd'hui ils les ont mis dans les deux. Alors je refais cette vidéo parce qu'en fait j'ai fait la vidéo juste avant, donc j'ai déjà ouvert tous les packs. Mais le problème c'est que mon Avermedia n'a pas enregistré, je sais pas pourquoi il a bugué et ça n'a pas enregistré. Donc voilà, donc je ne serai pas vous montrer l'opening, mais je vais vous expliquer ce que j'ai eu. Alors, en multijoueur, je l'ai ouvert, j'en ai ouvert deux. Voilà. Donc, j'en ai ouvert deux, donc c'était le triple jeu d'horreur d'Halloween. Donc j'en ai ouvert deux, et il y a les deux mêmes en zombie. Donc ça vous donne un pack de 10 ravitaillements rares, ça vous coûte 400 clés. Ça vous donne aussi un piratage d'armure de zombie et un piratage d'H. Donc, vous êtes sûr à 100% d'obtenir une hache si vous achetez ce pack. Vous êtes sûr d'obtenir une armure de zombie. Donc je vous montrerai c'est quoi les armures de zombie après. Et vous êtes sûr d'obtenir 10 ravitaillements rares. Donc 10 ravitaillements rares, ce qui vaut 10 fois 30 clés, donc ça vaut 300 clés. Et le pack il coûte 400 clés. Donc au final vous payez 100 clés pour obtenir une hache et une armure de zombie. Donc il faut savoir que les zombies, les armures de zombies, il n'y en a que deux. Il y a Point Dexter, donc celui-là, ça c'est Point Dexter, et il y a André. Il y a aussi Neil, mais je ne pense pas que Neil ce soit un piratage d'armure zombie, parce que c'est un nouveau truc qui vient de sortir. J'ai ouvert mes 4 caisses à 400 clés, et je n'ai pas eu Neil. J'ai eu deux fois Point Dexter et deux fois André, et j'ai eu 4 haches. Donc j'ai eu la hache normale j'ai eu deux haches normales et deux haches épiques en MK2. Voilà. Donc au final, si vous voulez ouvrir cette nouveauté quartier maître, je vous conseille soit de l'ouvrir en multi ou soit en zombie. Ça sert à rien d'ouvrir les 4 comme moi j'ai fait. J'ai usé 800 clés pour rien parce qu'au final ils m'ont donné la même chose que ce que j'ai en multi ou en zombie. La seule truc qui différencie, c'est que en zombie vous avez 10 ravitaillements de zombies et en multi vous avez 10 ravitaillements de multi, tout simplement. Donc là vous pouvez voir que j'ai 20 ravitaillements rares en multi, et là je vais vous montrer en zombie. En zombie j'ai 20 ravitaillements en caisse zombie rare. Donc voilà. Alors pour la nouveauté aussi du multi, quand vous allez dans le quartier maître, ici il y a une récompense d'Halloween semaine 1. Donc je pensais qu'on avait 3 récompenses par semaine gratuites, mais cette semaine on n'en aura eu que 2. On en aura eu une lundi ou mardi, je sais plus, et on en aura eu une aujourd'hui. Donc peut-être qu'ils vont nous en donner une troisième dimanche, mais c'est pas sûr, on verra ça. Mais n'oubliez pas d'aller ouvrir votre récompense d'Halloween de la semaine 1. J'en avais 2 ou 3 par semaine, c'est le lundi ou mardi, le vendredi et soit le dimanche, peut-être pour le troisième moment. On verra ça dimanche. On n'y est pas encore, donc je sais pas, je pense pas du tout. Enfin, je sais pas, franchement, je sais pas. Je sais quand c'était les T-Codes, ils donnaient 3 cadeaux par semaine. Donc je sais pas s'ils vont en donner 2 ou 3 pour l'offre d'Halloween. Alors, j'avais un autre truc aussi à vous dire, c'était. Là, je vous ai montré. Donc je vais vous montrer les haches. Donc les haches que vous pouvez obtenir, c'est celle-ci, donc en MK2, et l'autre hache c'est dans collection quartier maître en épique, et c'est celle-ci, donc tout simplement la même hache qu'en MK2, sauf que vous n'avez pas les 15% d'XP en plus. Alors, petite information supplémentaire, en zombies, ils ont rajouté le mode Battle Boss, donc combat de boss, juste ici. Je pense que vous pouvez le faire que en partie personnalisée. Ah non, carrément. Vous pouvez le faire en multijoueur aussi, ou des aliens, et il n'y a que deux maps pour l'instant. Il n'y a que Space Land et Redwood. En fait, qu'est-ce que c'est ce mode de jeu? C'est tout simplement un nouveau mode que vous allez directement au boss sans faire la préparation de la map. Donc vous arrivez, c'est un peu comme Mephisto, vous arrivez dans la salle de réanimation et plusieurs armes au mur et tout. De toute façon, je vais faire une vidéo spéciale pour ça, pour vous montrer ça. Et donc voilà, j'en dis pas plus. Donc voilà, je pense que c'est tout pour les nouveautés du quartier maître. Je vérifie. Ouais, c'est tout. Donc là, il n'y avait pas de nouvel événement. Donc les 20 achats, c'était pour la semaine 1, je les ai déjà achetés. Donc ça, c'est pas nouveau. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y avait. Donc il y avait une récompense gratuite et le triple jeu d'horreur d'Halloween. Donc voilà, j'espère que cette
que ce pack opening vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. Les potos, allez, ciao, peace. Yummy, bruh.